Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des cadeaux qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent pour le jour 3. Donc, il y avait une planche de 3 tube board en forme de sapin pour le calendrier embellissement. Pour le calendrier couleur, il y avait un pinceau aquarelle, une estompe et un godet aquarelle. Donc pour le godet, je vous montrerai la couleur et la démo avec dans une prochaine vidéo. Donc pour l'estompe, donc celle-ci elle est de chez Stamperia, donc elle est en bois. Il y a un petit embout en mousse. Alors personnellement, j'aime beaucoup les utiliser avec mes pannes pastel ou mes pastels secs, enfin ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Aussi, vous pouvez l'utiliser bien sûr avec des encres, de la peinture, mais pour les petits détails, des pochoirs, c'est vraiment très très pratique. Un pinceau aquarelle, vous savez à quoi ça sert. Et voici les chipboards. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai pas tout à l'atelier, hein, donc vous ne verrez pas exactement tout ce qu'il y a dans les calendriers, mais vous aurez un petit aperçu. Donc voilà, donc ils sont reliés les uns aux autres. Je vais prendre un petit ciseau, ça devrait suffire. Voilà. Hop là, c'est pas assez lisse à mon goût. Alors avec une petite lime, hein, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est que d'en embosser un. De cette manière, on verra son rendu. Donc, pour embosser, cette fois, j'ai choisi la poudre embossée nouveau, Glimmering Green. Donc, c'est un vert à paillettes. Donc là, je pense qu'il faudra plusieurs couches. Je fais ma deuxième couche, donc je me suis mis sur ma plaque en verre, au moins pour chauffer, ça sera plus facile, parce que c'est du chipboard. Donc avec la chaleur, il peut se tordre un petit peu. Donc à y être. Donc là, on pourrait très bien imaginer mettre des petites demi-perles rouges, par exemple, ça pourrait être sympa. Ou alors, voilà, je ne l'avais pas préparé, mais voilà, ce genre. Bon, ici, ce sont les DoCraft que j'avais il y a déjà bien longtemps en boutique. On pourrait imaginer le coller en 3D et vous voyez faire un petit... ou les découper et les coller. Et sinon, voilà, vous voyez. Et après les coller pour qu'ils soient dans le bon sens, mais on pourrait faire quelque chose à... voyez, on pourrait, hein, faire quelque chose de très sympa comme ça avec ce genre d'embellissement. Ou alors même si vous en avez des plus petites, je sais pas. Voilà. Les demi-perles. J'aurais bien vu des rouges, là il y en a une qui est petite. Voilà. Par exemple.
peut vous donner une idée. Et voilà pour ce numéro 3. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.